Nanaï, il faut que tu consacres plus de temps à ta famille. Où tu vas? Rentre à temps pour dîner. Fais attention à toi, chérie. Pas de garçon. Je gère, bye. Mon rêve, c'est de m'échapper. Papa voulait que je voyage pour découvrir le monde. Un jour, je le ferai. Hein? Un Yeti sur mon toit. Salut, petit. Ou petite. Ah. Oui, je confirme, t'es bien un garçon. Je sais pas d'où tu viens. Alerte rouge! Il s'est échappé. Je veux récupérer mon Yeti! C'est là-bas, ta maison? Non, je rêve. You can go your own way. Je ferai en sorte que tu puisses rentrer auprès de ta famille. Everest n'est qu'un enfant! Arrête de taper dessus! Alors, ça, c'est toi et tes parents. Oh, t'as les yeux de ta mère. Il y a des gens qui te cherchent. Plus vite, allez! Tu fais de la magie? C'est génial! C'est impossible! J'aurais aimé que papa voie ça. Ouais, maman, Pékin, c'est super. Oh, Peng, Peng va bien. Il nous rattrape. C'est le violon de ton père? Mon père jouait pour moi tous les soirs, comme s'il me disait que, même si le voyage est difficile, il faut jamais renoncer. C'est magnifique. C'est toi qui l'as fait, Yi. C'est moi qui ai fait ça? Quand Yi décide de faire quelque chose, rien n'est impossible. Everest! Des myrtilles? Ouais! Oh, j'ai des myrtilles partout, y compris à des endroits où elles ne devraient jamais se trouver.